Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Champagne, du côté de Reims, pour la présentation de cette SLS AMG. La SLS AMG, c'était la supercar de Mercedes entre 2010 et 2014. Elle a remplacé la Mercedes SLR. Dans cette voiture, il y a plusieurs choses qui font que, à mon avis, ça va devenir une voiture de collection d'ici les prochaines années. Ça a déjà un petit peu commencé. Le moteur, c'est le fameux 6 litres de atmosphérique qu'on retrouve dans toutes les C63 AMG, E63 AMG, plein de voitures qui avaient ce moteur, le 6.2. Alors, elle s'appelait toute 63 AMG, mais c'est un 6.2 litres. C'est une voiture qui a eu une carrière assez courte parce qu'elle a été quand même produite que de 2010 à 2014, 4 ans. Il n'y en a eu que 5000 de produites, 4000 coupées, 100 roadsters, toutes éditions confondues. En 2012, Mercedes a présenté la Black Series, qui était une version plus allégée, plus puissante, limitée à 425 exemplaires. Quand elle était neuve, elle était proposée à un prix sans option à l'époque de 189 000 euros. Et aujourd'hui, selon le kilométrage, on les trouve entre 160 et 190 000 euros. Et surtout, selon les versions aussi, les roadsters sont beaucoup plus rares. Et une Black Series, laisse tomber, c'est entre 500 et 600 000 euros minimum. Donc là, on est sur la version coupée. Et ce qui faisait la caractéristique de cette voiture qui a fait sa renommée, ce sont les portes papillons. Si tu sais pas ce que c'est une porte papillon, regarde. C'est tout simple. Ça s'ouvre comme ça. Et en fait, c'était un hommage à la mythique Mercedes 300 SL qui a été produite dans les années 50, hein, je crois de 1954 à 1963. Cette Mercedes 300 SL, juste un petit peu d'histoire, pourquoi elle est mythique? À la base, c'était une version de route de la Mercedes-Benz W194 qui avait gagné la Carrera Panamericana en 1952. Et en fait, 300 SL, ça voulait dire quoi? 300, c'était la cylindrée du moteur, c'était un 6 cylindres de 3 litres. Et SL, c'était pour Sport Leicht en allemand, qui veut dire sport léger. Pourquoi la 300 SL avait les portes papillons et donc les charnières en fait sur le toit? C'était pas pour le design, c'était que la voiture avait un châssis tubulaire et des seuils de porte très très hauts, ce qui empêchait de mettre une porte qui s'ouvrait sur le côté. Donc c'était juste fonctionnel, ils avaient mis les portes sur le haut, ce qui permettait de rentrer dans la voiture malgré le châssis tubulaire qui était un châssis plus léger. L'inconvénient, c'est que quand il pleuvait et que tu ouvrais la porte, tu déversais toute l'eau sur les occupants de la voiture. Ça a été réglé quand même depuis sur ce modèle. Et donc, elle rend vraiment hommage, la SLS, à la 300 SL. Je vais fermer la porte, je vais vous montrer la ligne de profil qui est magnifique. Enfin, vous l'avez vu au début, mais c'est tellement élégant. C'est une voiture qui a des proportions particulières, c'est une deux places, c'est une supercar. T'es assis juste devant l'essieu des roues arrière. Hein. Tu vois, t'as un arrière qui est extrêmement court, les roues arrière, les sièges, et après l'immense capot sous lequel il y a le V8 6 litres 2 longitudinal, atmosphérique, 571 chevaux à 6800 tours minute. On a une zone rouge qui est un petit peu après à 7250 et 651 Nm de couple. Ça permet à la SLS de faire un 0 à 100 en 3 secondes 8, un 0 à 200 en 11 secondes 7 et une vitesse de pointe qui était limitée électroniquement à 317 km/h. Donc c'est une propulsion avec une boîte à double embrayage à 7 rapports. On a des disques en acier percés et ventilés avant-arrière. En option, il y avait des carbones céramiques. La voiture pèse 1630 kg, c'était annoncé 1630 kg. Et on a 53% du poids sur les roues arrière. On a un petit coffre. Tu peux pas mettre grand chose, hein. C'est plus petit que dans la majorité des GT. Tu peux mettre deux petites valises, c'est tout. Et puis derrière les sièges, cette fois, il n'y a pas de place. Là, on a un petit aileron qui se déploie à haute vitesse ou si tu appuies sur le bouton. Et donc, elle reprend quand même la dénomination SL. Le dernier S, je ne sais pas ce que c'est. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Typiquement, ce qui est magnifique sur cette voiture, qui est repris de la 300 SL, hein, qu'il y avait aussi sur la SLR un petit peu, c'est ses griffes en métal sur le côté, ses aérations sur le capot aussi. On a les poignées de porte qui sortent comme ça quand on déverrouille la voiture. Petite trappe d'essence en aluminium. C'est la dernière voiture avant que AMG et Mercedes passent au biturbo, notamment sur l'AMG GT. Ici, c'est un Atmo. On a ouvert le capot qui d'ailleurs, spécificité, peut se monter à la verticale. C'est assez marrant. On a un carter sec. Le 6 litres 2 avec la petite plaque chez AMG. Il y a toujours une petite plaque parce que leur dicton, c'est un moteur, un homme. Les moteurs sont montés de A à Z par la même personne chez AMG sur la ligne d'assemblage, le magnifique 6 litres 2, et dont le bloc en fait commence ici, donc derrière l'essieu de roue avant. On est encore sur un moteur central avant. À bord, forcément, hein, c'est une voiture qui a été produite à partir de 2010, donc on n'est pas sur les standards modernes de Mercedes. Ici, c'est la console stock
en aluminium. On a le bouton start, le bouton d'antipatinage, des suspensions, un bouton sport AMG, et ici le bouton qui permet de contrôler les différents modes de boîte, en fait, surtout. Est-ce que vous êtes prêts? J'appuie sur le petit bouton. Oh là là. C'est un son plein, c'est un beau son, voilà. Et regarde, donc on a le volant en cuir avec les palettes up and down en métal, c'est des vraies palettes en métal, et on a les compteurs aussi en métal qui sont très beaux. J'aime beaucoup, ça fait très sport, et c'est en raccord avec la sonorité du moteur. Écoute-moi ça. Oh là 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 là. Ça c'est 3000 tours et ça va jusqu'à 7250 tours. Hein. Oh là 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 là. Mais ça pétarade et c'est l'échappement stock, écoute. Allez, on y va. Si tu es nouveau sur World Supercars, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifs quand il y a une nouvelle vidéo, parce que YouTube n'envoie pas toujours la notif. Si tu veux, n'hésite pas à me suivre sur Insta. Il y a plein de photos et de stories de ces petits événements en coulisses. Passons à la vidéo. Bon, ça y est, on est dans la SLS AMG, rejoint par Théodore. Tu fais partie du garage Curé Piston, qui est propriétaire du véhicule. Qui est propriétaire de ce véhicule. Je te laisse appuyer sur le bouton magique. Ouais. Oh là là. Particularité de cette voiture, les portes papillons, faut pas être un nain. Ceci là, au niveau de la porte. Mais moi j'ai trouvé le truc, tu t'appuies avec le coude et ça passe. Comme mentionné précédemment, c'est un V8 Atmo 6 litres 2, malgré l'inscription 6 litres 3 sur le côté. Je ne sais pas pourquoi ils ont tant tenu que ça à mettre ces 6.3. La voiture est chaude. Voilà. C'est la transmission qu'on entend là? Ouais, c'est la transmission. Ouais. Habituelle, est-ce que c'est votre première sportive, votre première voiture, ou vous avez un petit historique de voiture? Nous on achète des belles voitures, des voitures qui ont un petit cachet, quelque chose d'exceptionnel. Donc celle-ci c'est la couleur gris mat Magno Monza, et la première qu'on a pu acheter c'est une type E, une série 1. Okay. Donc avec le 6 cylindres, donc c'est la vraie première qu'on a pu acquérir. Vous avez aussi une DB9 boîte méca. Oui, une DB9 boîte méca, donc c'est moins de 5% de la production de DB9 qui a été fait en boîte mécanique. Super, donc rare, c'est ouais. Un petit cachet supplémentaire. Et j'ai cru apercevoir une 612 Cagliati. Ferrari 612 Cagliati, donc bleu Tour de France avec un intérieur fauve, on va dire. Magnifique. Ouais. La SLS, pour l'instant, c'est votre seule supercar, on va dire. C'est la seule supercar. J'ai une, quand on en a une, finalement, il faut trouver à quel moment on l'utilise, puisque ça frotte un petit peu parfois à quelques endroits. Celle-ci, tu m'as dit qu'elle touchait quasiment jamais. C'est très rare. Même, on n'a jamais eu l'occasion de frotter quoi que ce soit avec. Ah, elle a un lift system en option ou pas? Alors, il y a les suspensions pilotées, donc on choisit mode confort, sport ou sport plus, mais il n'y a pas de levage d'un essieu. C'est vrai que juste la dureté des suspensions. C'est ça, pas juste la dureté, ouais. Et voilà, même à bas de vitesse, on est à 30 km/h. On entend tout l'échappement qui est beaucoup plus libéré qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de filtre à particules. Il y a un bon échappement sport. Enfin, c'est pas un échappement sport, c'est l'échappement stock de la voiture, mais il y a vraiment la SLS. J'avais fait deux tours déjà dans une SLS. C'est ce côté, ça glougloute, ça ronronne. Le démarrage, tout ça, la sonorité, qui pour moi a fait une partie primordiale des émotions dans une voiture. Dans celle-ci, t'es servi, quoi. D'origine, de série. De série. La voiture, elle a été commercialisée en 2010, oui. Donc elle a 10 ans, et franchement, pour une voiture qui a 10 ans, oui, ça pousse. Qu'est-ce que ça pousse, hein? On a 571 chevaux, c'est cette génération-là des dernières supercars qui sont vraiment sans filtre, je trouve. Mmh. Mais t'as quand même de l'électronique pour museler un petit peu tout ça. Oui, il y a l'électronique qui permet de pas avoir forcément les compétences de pilotage nécessaires. Pour quand même prendre du plaisir. Pour prendre du plaisir. Ouais. Et elle n'est pas non plus trop bridée électroniquement, dans le sens où elle
te laisse un petit peu de permission, quoi. Elle est permissive, ah ouais. C'est ça, tu prends un virage un peu vite en accent un peu fort, elle met un léger coup de raquette, mais elle te rattrape toujours. Et à l'accélération, en tout cas, je voyais souvent la petite lampe de l'antipatinage qui s'allume, qui devient folle parce qu'elle danse du train arrière, celle-ci. C'est assez prononcé. Mmh. On sent que c'est les premières boîtes à double embrayage. À basse vitesse, des fois, t'as un peu un à-coup au moment de partir. Et puis clairement, il y a un délai au passage. Enfin, les rapports passent très vite. Mais entre le moment où t'appuies sur la palette et où ça passe, et pareil au rétrogradage. Surtout au rétrogradage sur les nouvelles boîtes de vitesse, on met un coup, deux coups, trois coups sur une PDK ou une F1 récente. Sur ce genre de boîte de vitesse, on appuie une fois, on rappuie une fois, on rappuie une fois. Et là, ça rétrograde. Ouais, c'est ça. Là, on arrive sur l'ancien circuit de Gueux, ancien circuit du Grand Prix de France. Et on va se faire un petit plaisir, on va se faire un petit départ comme pour un Grand Prix, avec le son qui résonne dans les tribunes qui sont toujours là. J'ouvre ma fenêtre. C'est parti. C'est parti. Sympa, ouais, l'explosion, hein. Quels sont les défauts que tu trouves à cette voiture? Bon, je sais pas si on peut appeler vraiment ça un défaut, mais en termes de rangement et choses comme ça... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a très peu de coffres, et à l'intérieur, hormis trois espaces, on peut mettre des clés, des gobelets, et une petite boîte à gants, il n'y a vraiment aucun espace de rangement. C'est vrai que là, derrière les sièges, on peut rien mettre. On peut rien mettre derrière les sièges, et là, la baie est trop petite pour mettre quoi que ce soit. Ah oui, sinon tu vois plus. Je sais pas si Mercedes la vendait comme une GT ou pas, oui. Mais c'est vrai que pour une GT, tu peux rien mettre dedans en fait. Exactement, oui. Alors qu'une F12 ou une DB9... Pour partir en même week-end... Même une Vanquish, t'as de la place, quoi. T'as un coffre et derrière les sièges, tu peux encore ajouter des choses. Bah avant tout, les gens, ils l'achètent pour le moteur, parce que c'est un gros moteur atmosphérique. Et puis aussi cette ligne 300 SL, c'est... Ah ouais, les porte-papillons, c'est mythique. Et niveau fiabilité, est-ce qu'il y a des problèmes sur les SLS? On en avait parlé tout à l'heure, mais il y a eu une histoire, mais c'est un peu sur tous les modes, ce bloc-là, le Slick 2, où il y a eu des petits soucis de poussoir hydraulique d'arbre à cam, mais c'était une action de rappel que Mercedes faisait. Mais sinon, c'est des voitures de grande série, genre le moteur c'est de la grande série qui a été fait sur les... Ouais. Il n'a pas été développé juste pour cette voiture. Niveau fiabilité, il n'y a pas grand chose à dire. Puis quoi qu'il arrive, on va chez le Mercedes du coin et la plupart du temps, il sait l'entretenir. En tout cas, une chose qui me surprend bien sur cette voiture, c'est le confort. Quand t'as pas les suspensions en sport, c'est très souple et le moteur aussi. Le moteur, tu peux cruiser, accélérer gentiment, c'est pas... Ouais. C'est pas trop nerveux. Ouais. Il est coupleux, c'est-à-dire qu'à demi-tour minute, on met le pied dedans et il nous emmène tout de suite. C'est progressif. Oh, c'est bien, on va pouvoir faire une petite accélération depuis une basse vitesse pour entendre ce moteur qui va se décoincer les bielles. T'as plaisir à monter haut dans les tours pour aller chercher la puissance, qui est tout en haut. Ça s'arrête quand même à 7002, donc... Ouais, y a une bonne plage d'utilisation. Oh là là. C'est ça, ouais. T'as assis sur les roues arrière,
derrière, il y a quoi, il y a peut-être un mètre derrière nous, et devant t'as 50 mètres de capot avec le moteur. C'est ça. Comme ça. Et puis devant le moteur, il y a 1,50 m de vide pratiquement. Avec, pour le style, pour le, la longueur du capot. Ouais, c'est ça, ils ont énormément travaillé ce style. Là, sur les routes de campagne, ça a tendance à vraiment balader dans tous les sens. Là. Et on sent que c'est sport, mais qu'elle reste suspendue comme une GT. Elle reste suspendue, ouais. Alors que là, on est en sport plus technique. Elle a tendance à donner des petits coups de... Elle danse un peu de l'arrière-train, ouais. C'est pas méchant, on arrive facilement avec le volant à contrebalancer. Mais je pense que quelqu'un qui n'est pas, n'a pas trop l'aptitude dans l'automobile et qui la prend tout de suite en main rapidement, une réaccélération en sortie de virage, ça peut... Ça peut être un peu tricky, ouais. Et toi, si tu voulais la remplacer en termes de à peu près similaire et sensation, tu prendrais quoi? Il y a une voiture personnellement que j'apprécie beaucoup, ça va être l'Aston Martin V12 Vantage boîte mécanique. On a déjà essayé donc la DB9 en boîte mécanique, mais la V12 Vantage en boîte mécanique aussi, ça pourrait être vraiment au-dessus quoi. Elle est déjà super sympa la DB9, mais elle n'a pas tous ces impadis sportifs, ça va être une grande GT l'Aston DB9, alors que la V12 c'est vraiment sportive. C'est la sportive quoi. La sportive de chez Aston. Et en boîte mécanique, jouer avec le levier, le son du V12 Atmo, je pense qu'au niveau sensation et plaisir de conduite, c'est à un niveau similaire. Mais cette voiture, c'est surtout une ligne, c'est la ligne de la 300 SL, c'est les ailes papillons, c'est le V8 atmosphérique de 570 chevaux. C'est un ensemble qui est sympa. Alors, petits inconvénients au niveau du coffre, de la taille des rangements, etc. La conso peut-être un petit peu. Oui, on regarde pas vraiment. C'est vrai que sur cette voiture. Ouais, en consommation, on est à 20 litres quoi, tout le temps quoi. Si on a envie de l'emmener, on fait chuter 1, 2, 3 rapports, on met le pied dedans. Ça part tout seul. Ça freine fort. Hein. Ouais, on a pas les carbones thermiques, là on a des aciers. C'est des aciers. Mais elle s'arrête assez net. Hein. Ouais. C'est vrai que quand ça ronronne pas, on entend la transmission. La boîte de vitesse. La boîte, on l'entend tourner. Puis elle est très stable à haute vitesse. Il y a peu d'aéro, mais elle est quand même très stable. Alors je sais pas si on va voir dans la vidéo, mais on a l'aileron qui au-dessus de 120 km/h monte, donc il se lève jusqu'à la vitesse X. Et puis ensuite, quand on descend en dessous de 80, il se rabaisse automatiquement. Là, il vient de se rabaisser en fait. Et sinon, tu as un petit bouton, je crois, pour le contrôler. Il y a un petit aileron, le bouton là qui permet de le faire descendre. Manuellement. Exactement, oui. On dirait que c'est un covering, mais pas du tout, c'est une peinture d'origine Mercedes. C'est une couleur qui était seulement et uniquement disponible au catalogue en Italie, qui s'appelle le Grimat Magno Monza. Il n'y a que les voitures qui viennent d'Italie, qui étaient peintes comme ça. Et celle-ci vient de Milan en Italie, donc oui, c'est une couleur rare. Parce que c'est une couleur satinée, mais quand même métallisée. Exactement, quand tu regardes, et un peu mat. Ouais, c'est vraiment une multitude de couleurs. Ah, serait-ce un pont? Bon les amis, j'espère que cette vidéo avec la SLS AMG vous a plu. Merci Théo d'avoir rendu cette vidéo possible. C'était super, magnifique voiture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu. Quelle serait la prochaine voiture que vous aimeriez voir dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao. Au revoir.